salut à tous, je vous retrouve dans un hall Jiffy, pas forcément un hall comme vous avez l'habitude de le voir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément plein d'objets décoratifs. Ça sera plutôt du mobilier que j'ai trouvé, que je voulais depuis un petit moment et je vais vous montrer, on va monter ça ensemble. Il y a quand même un objet déco, du coup je vais commencer par cet objet. J'ai donc trouvé cette carafe décorative parce que moi je ne vais certainement pas l'utiliser comme carafe à eau. Je sais que, il me semble qu'elle existait en trois coloris. Alors dans ma tête, c'était vert eau et un petit peu gris. Mais voilà, moi j'ai flashé sur celle-ci. On a vraiment tout un tas de motifs en fait. Et surtout ce bouchon carré. Alors ça, c'est la marque du Chicos. Hein. Ça rend super bien. Je l'ai essayé dans plusieurs endroits de la maison. Donc sur une étagère, sur la table de façon centrale. Dans des petites niches, on va dire, de rangement. Et vous allez voir justement aussi après avec les objets, on va dire, mobilier, rangement. Je l'ai mis quelque part, ça rend super bien aussi. Donc voilà, pareil, c'est une nouveauté Jiffy, j'ai l'impression. Et il en restait pas beaucoup, donc si ça vous intéresse, il faut foncer, je crois. Hein. Donc voilà pourquoi j'allais à la base chez Jiffy, c'était pour ces petits cubes de rangement. Alors cubes, oui et non, parce qu'il y a également... Attendez. Cette grande structure hein, qui fait partie de la même chose, à la base, c'est des meubles de dressing. C'est pour ça que j'ai galéré d'ailleurs. Pour les trouver dans le magasin, j'ai demandé à un vendeur qui m'a dit « Ah oui, c'est dans la partie dressing ». Qu'est-ce que c'est? C'est en fait des cubes dans lesquels vous allez mettre des accessoires mode. Vous pouvez même mettre des chaussures. Vous allez monter tous ces cubes. Je vais vous faire la petite vidéo après de présentation. À l'intérieur, donc, on peut mettre tout ce qui est chaussures. J'ai vu qu'on peut même scinder en quatre certains cubes. On peut ajouter des petites portes. On peut mettre des tiroirs. Moi, j'ai décidé de l'utiliser comme un rangement, on va dire, classique hein, de déco parce que j'adore la déco. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la petite vidéo en vous montrant, c'est ce que je trouvais qui était assez intéressant, comment j'allais décorer l'intérieur avec différents objets. Donc je vous montre tout ça maintenant. Donc à la base, j'avais deux meubles comme ça de rangement marron, les uns sur les autres, qui étaient vraiment pas jolis. Ils commençaient vraiment à s'abîmer. Et je trouvais que le marron, ça plombait. Je voulais quelque chose de beaucoup plus lumineux, plus blanc, plus clair pour agrandir la pièce. Alors je vous cache pas que ça prend du temps. Faut quand même avoir le coup au début. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments, de pièces, de petites vis, tout ça. Mais une fois qu'on a compris le truc, ça va assez vite. C'est juste une question d'assemblage. On les assemble, on en met juste un, on en met à côté, on en met deux les uns sur les autres. On peut faire des petits effets un peu de pyramide. Et à l'intérieur, moi, voilà, j'ai décidé de mettre soit des petits bouquins, des objets, des box, hein, je trouve ça assez joli. On met tout ce qu'on veut et j'ai quand même voulu mettre plutôt une ambiance un petit peu plus claire, pastel. J'ai mis quand même quelques petites touches pop, hein, des éléments peut-être un peu plus fuchsia, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que ces cubes, ils sont très sympas. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. Il n'y a pas énormément de choses, je suis d'accord, mais je trouvais que c'était sympa de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous connaissiez. Et surtout, dites-moi si vous connaissiez en commentaire, si vous les avez. Et si vous les avez, envoyez-moi une petite photo sur Insta ou vous voulez sur mes réseaux. Franchement, ça m'intéresserait. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. Et moi, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog, sans doute. Salut !